Bonjour. Oh bonjour. Ça va, ça va. Moru. Ça va. Ça va bien. Les activités. Il paraît que vous étiez en finale le samedi, hein, Baba. Oui. Et comment a été le match? Laisse-moi te raconter tout du début jusqu'à la fin. Oui, aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes en finale, la Cigenère en finale. Je veux qu'on emporte la coupe aujourd'hui. Je veux qu'on ramène la coupe à Samalbougou aujourd'hui. Oh, il faut que je lave ma figure d'abord. Après ça, j'allais... Après mes ablutions, la première des choses, c'est le regroupement. On doit se regrouper, se concerter, avoir des idées, causer pour avoir vraiment l'automatisme entre nous, avoir vraiment l'ambiance entre nous pour aller au terrain. Ok, je vais au rendez-vous. Je dois aller voir ma mère d'abord parce que je vais emporter la coupe au nom de ma mère. Je veux que ma maman me bénisse. Maïna, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Ok, Baïni, nous allons au terrain pour emporter la coupe. Donc, il faut que vous nous bénissiez. Ala kane hera be ala kane se be ala be kene ala se gere gere ala be kene ala kai ma ngwa ai ma se kami se la do mi amina awa o awa ai fo de kene ata ni se ni no ya ala ka ta ni se ge no ya ala se gere gere mo Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, un grand rêve pour moi. Je vais emporter la coupe. C'est comme une mauvaise nouvelle là. Ni à Blukuna, à Nimesena, donc il joue au Douara Gola. Donc au fond, ça va qu'on est à Djida, à Gao, à Pigi. Donc les gars, Maori va au lait. Voilà, c'est parti. Cela montre évidemment que ces deux équipes ne se connaissent pas. Attention! Allez là, tout le monde continue! Tout le monde continue, restons! La finale a été très difficile pour moi au début parce que vraiment, depuis la première minute, ils ont marqué le premier but. Tout le monde continue, restons tout à l'heure! Vraiment, j'ai une tête bien placée! Parce qu'à ce moment, on n'était pas assez. Ouais, on n'était pas très concentré sur le match. Et comment a été la suite? Donc après le premier but là, dans 10 minutes, ils ont marqué le deuxième but. 10 minutes de but. Vraiment, c'était décourageant. Vraiment, on était un peu découragé. C'est le football. Ouais, le football est plein de surprises. Ouais, à la mi-temps, on a eu vraiment un nouveau courage encore. Parce que le coach Papin a donné des directives, des tic-tac très simples. Et on a pratiqué ces tic-tac là parce qu'il y avait trop de masseurs à la mi-temps. Ouais, les gens qui ont passé la mana, voilà. Très bien. Bon, on a compris que ça, ce n'était pas la meilleure solution pour remporter la coupe. Ouais. Donc, avec les consignes données par le coach, on a accepté et on a appliqué sur le terrain. C'est pas, on n'a fait rien. On a fait début avec la gagne. On a continué. On la meilleure. À la deuxième mi-temps, facilement, on a pu avoir vraiment la confiance totale sur nous-mêmes. Et Dieu merci, on a pu marquer notre premier but. Donc avec le premier but, vraiment, il y a eu beaucoup de confiance et on a pu égaliser les deux buts. Ah bon, vous avez égalisé les deux buts? Oui, on a égalisé les deux buts, vraiment. Même les supporters ont eu la confiance totale sur nous que ça va nous bien emporter la coupe. On était mieux supportés que la personne. Il va très bien. Il va venir à 200. Le match s'est terminé en 2-2. 2 buts partout. Et comment 1-1-1. Ah, vraiment. Ça, c'est
c'est la chance, vraiment, c'est la chance. Emporter la coupe, c'est une chance, mais travailler sur le terrain, c'est pas une chance. Ah, oui. Oui. Et puis, qui ne tente n'a rien aussi. Oui. Fallait être là-bas, vraiment. C'était un empêchement, sinon, vraiment, fallait être au tir. Parce que les explications là, vraiment. On dit que la promesse est une dette. J'ai promis et j'ai vraiment, j'ai pu emporter la coupe au nom de grâce à la prédiction de ma mère, voilà. Après, si on devait même nous regrouper pour aller là, voilà, pour l'empêcher encore, voilà. Faire des ballons, jouer des ballons, c'est bon. C'est fini, il n'y a pas de paroles encore.